asylum. Yes. Par là. Non? Plus haut. Oh. Plus haut, à la deuxième branche. Là, là, là. Oh, I see. That's fine. Mettez les bougies. This? Les bougies. Voilà, monsieur. Oh, candle. Well, why don't you say it? Oh, nous n'en sortirons jamais. Monsieur ne comprend rien. Ah, c'est terrible pour l'aide d'avoir un ami qui ne parle pas la même langue que vous. Oui, mais ça a des avantages. On peut se faire faire la cour sans qu'ils vous entendent. Oui, aidez-nous à préparer l'arbre de Noël. Mais c'est que j'ai à m'occuper du souper, madame. 20 personnes, c'est pas une petite affaire. Monsieur Carbonnier m'avait dit qu'il s'occuperait de tout. Il n'est pas encore arrivé. C'est qu'il est très tard. Alors dépêchons-nous, moi je vais mettre la main à la pâte. Tenez, attrapez ça. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais il est complètement idiot. Alors tenez ça. Mais lâchez-la, c'est pas pour vous amuser que nous sommes ici. Lâchez ça. Why, you broke it, man. Arrangez-le là. Ah, I see this. Mais qu'est-ce que vous prenez? C'est pas pour ça. Mademoiselle Monique mérite bien d'être gâtée. Ah, maintenant, les cadeaux. Alors, monsieur Honoré, ce jeune homme, c'est encore un prétendu pour votre demoiselle? Oui, ça fait le cinquième. Oh, elle est difficile. Elle en a le droit. Elle est charmante, ma petite Monique. Ah, ah oui. C'est vrai, elle est charmante. Vous voyez, je n'avais pas exagéré. Oh non. Et une vraie jeune fille, celle-là. Pas une broche. Pas un bijou. Vous avez vu? J'ai vu. Vous n'avez jamais songé au mariage, monsieur Landier? Alors, monsieur Honoré, vous n'avez jamais pensé au mariage? Non, mademoiselle Clémentine. Tant que ma petite Monique sera pas casée, faut pas parler de conjugo. Elle va être bien bonne. J'ai l'impression que tu lui as beaucoup plu. Tu crois? Moi, j'ai l'impression, au contraire, que pendant le dîner, il me regardait de côté en se disant bien simplette. La dot ne doit pas être lourde. Monique, Monique, c'est ton papa qui téléphone d'un verre. Tu permets, ma tante? Mais oui. Mais viens vite, ça coûte cher, le verre. Viens vite. Vous savez que vous avez fait la conquête de ma nièce? Oh, si vous saviez combien j'en suis heureux. Oui, oui. Oh, les jeunes gens d'aujourd'hui. Allons, venez prendre un petit verre d'Angélique, faites par moi. Oh, par vous, alors. Venez. Oui, monsieur, on a fini de dîner avec le nouveau prétendu. Comment il est? Terriblement banal. Est-ce que ça m'ennuie de ne pas être avec toi un soir de Noël? Oh, mon petit papa, écoute, t'en fais pas. Je sais bien qu'avec les architectes, on peut jamais faire de plan à l'avance. Surtout, sois bien raisonnable. Oh, n'ayez pas peur, monsieur, elle est avec moi. Vous avez bien fait de me la confier. Et comme disait ma grande tante Caroline, qui veut garder sa poularde, il doit avoir un bon chien de garde. Vous êtes le modèle des serviteurs, Honoré. Vous avez toute ma confiance. Au revoir, monsieur, au revoir. Oui, je vous la passe, la voilà. Au revoir, mon petit papa chéri. Tiens. Excusez-moi, mes amis, mais il est 10 heures. Il est 10 heures et à cette heure-là, je suis toujours couchée. Oh, dans ce cas-là, nous nous retirons. Et merci pour cette charmante soirée. Il ne tient qu'à vous d'en passer d'autres comme celle-là. Oh, vous êtes trop gentil. Allons, au revoir, chère madame. Au revoir, il y a très bientôt. Alors, on s'en va? Eh oui, il se fait tard. Alors, au revoir, ma tante. Au revoir, mon chéri. Madame, mais au revoir, chère madame. Au revoir. Et très bientôt, n'est-ce pas? À très bientôt. Voilà. Au revoir, mon chéri. Merci encore. Si vous voulez me permettre. Ah, merci. Oui. Oh,
Il est superbe, ce manteau. De 100 000 francs. À peu près. Si, si vous voulez me permettre, je vais vous déposer chez vous. Merci. J'ai ma voiture et mon chauffeur. Ah. Encore un réveillon de passé, Clémentine. Rangez bien les bougies pour l'année prochaine, comme d'habitude. Oh, dis donc, Honoré. Faut que je passe chez Viviane pour lui rapporter le manteau qu'elle m'a prêté. Ah, Suzanne, ton ancienne amie de pension qui a mal tourné. Ça n'est pas une fréquentation pour toi, je n'aime pas ça. Mais écoute, Honoré, je ne fais que monter et descendre. Bon, alors vite, vite, hein? Vite. Monsieur Gérard Cardeval. Monsieur Gérard Cardeval, c'est moi, oui. Nous vous avons réservé l'appartement que vient de quitter le roi de Mauritanie. C'est convenable, oui. Et même royal. Alors ça va. Carbonnier. Bonjour, Cardeval. Bonjour, mon cher. Je vous ai fait venir, j'ai quelque chose à demander. Il y a du nouveau? Oui, j'ai vendu mes usines à des Américains à un prix formidable. Tenez, je suis riche, ça en est dégoûtant, je non. Me plaisante. Oui, ah, vous savez, je veux des maîtresses en Islande maintenant, des tas de maîtresses. J'en ai assez fabriqué des mouchoirs, à présent je vais les jeter. Hein. Mais on voit tout ce qu'il vous faut ce soir, au souper de réveillon chez Viviane. Vous y serez aussi? C'est moi qui l'organise. Ah, voilà. Vous n'avez pas besoin d'autre chose? Ben, non, non. Alors je me sauve maintenant. À tout de suite. À tout de suite, Roger. Allez, monsieur, vous me suivez? Oui, vous avez des manucures dans l'hôtel, oui. Nous en avons deux très jolies. Faites-les monter dans ma chambre. Nous en avons même une troisième. Et seulement celle-là, c'est ma femme. Ah oui? Faites-la monter tout de même. Alors, attends-moi deux minutes, hein, Noré. Pas plus, parce que je pourrais pas remettre la voiture en route. Oh, dis donc, j'ai oublié un cadeau pour Viviane, et c'est le réveillon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Une idée, oiseau. Deux minutes, Honoré. Oh, pas plus, hein? Non. Je voudrais parler à mademoiselle Viviane. Voulez-vous prendre la peine de vous débarrasser, madame? Mais je suis sa meilleure amie. Parfaitement. Mais je le suis. La première, madame. Enfin, madame. Par là, madame. Une petite poule, quel
Je t'ai apporté le manteau que tu m'avais prêté. Je n'ai pas pressé. Il a fait l'effet. Un effet bof. Attends, je t'ai apporté un cadeau. Pour ton petit Noël. Merci, tu es gentil, tu me gâtes trop. Alors, ma petite Viviane, je m'en vais. Excuse-moi, ma chère Viviane, je suis en retard. Mais tout sera prêt, oui. Cardeval me suit. La commande de Charbel est arrivée, j'ai vérifié. Je crois qu'il y aura assez. Que je vous présente, monsieur. Enchanté. Tiens, voilà le menu. Voyons. Marraine, ostende, croustade de riz de veau, dinde farcie et truffée, brioche de foie gras au porto, salade japonaise, fruits fourrés, fruits en corbeille, parfait à l'ananas. Alors, ça va? Ça va. Ça va. Alors, je vais superviser la table. Alors, au revoir, ma petite Viviane, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais te demander quelque chose. Tout ce que tu voudras. Ben, je voudrais rester. Où ça? Ici, ce soir. Et tu es cinglée? Écoute, tu diras que je suis ta sœur. Ma sœur? Tu es née à Tours, n'est-ce pas? Eh bien, je suis ta petite sœur qui faisait la noce en Touraine, voilà. Mais tu es terrible. Qu'est-ce que tu m'en dis? Oh, je ne dis ni oui, ni non. Ni non! Une idée! Je m'appellerai Nino. Eh bien, entendu, là. Oh, que je suis heureuse! Oh. Tiens, donne-moi ça. Oh, cette voiture, elle a au moins 10 ans. Oui, au moins 12, oui. Oh là là, vous n'avez jamais vu de voiture, alors? Ah, si. Ah, ben comme celle-là, pas souvent, hein? Oh, moi, quand j'étais tout petit, comme ça. Oh, fichez-moi la peur, alors. Oh, pas, les boniments, ça va, on en va. Hein. Ça va. Ah, je te fais blantine, elle va attraper froid, tiens. Ah, regarde-moi ça. Cocher de fiacre, va. Je reste? Eh bien oui, là. Oh, merci Viviane, que tu es gentille. Oh, mais sache de ne pas être trop jeune fille, ça jetterait un froid. T'as compris? T'en fais pas, je saurais me mettre au diapason. Dis, à côté de qui vas-tu me mettre? Ah, mais c'est vrai, ça, voyons. Lucien, Ludo, Albert. Tiens, je te mettrai à côté de celui-là, hein? Qui est-ce? Gérard Cardoval? Un industriel de Roubaix. Riche. C'est un excellent garçon. Oui, mais il est bien. Pas mal. Oh, mais très sérieux. Il est si sérieux que ça? Oh, ni... Non. Près de lui, ta vertu ne risque rien. Bon. Madame, madame, c'est un chauffeur. Un chauffeur? Oui, il dit qu'il ne peut plus attendre, il a trop froid aux pieds. Honoré, j'avais complètement oublié Honoré. Invité? Non, chauffeur. Ah, chauffeur. Alors... Yeah, Christmas. Honoré. Il faut absolument obtenir son consentement. Oh, il doit être furieux. Je vais arranger ça. Oh, venir merci. Pour l'aide. Bah, ça se comporte. T'as pas changé. Mais de quoi non plus, t'as grandi même. Merci. Tu sais que je m'appelle plus Suzanne. Ah, pour moi, t'es toujours Suzanne. Ce que t'as fait après, ça me regarde pas. Honoré. Ah, ah ben alors, au revoir. Non, non, écoute, Honoré. Nous avons quelque chose à te demander. Vous ne nous refuserez pas. Ah, oh, c'est à voir. Viviane, non, plutôt Suzanne, donne ce soir un souper de réveillon. Monique voudrait en être. Un souper à vous deux toutes seules? Ah non, avec quelques amis. Oh, je me méfie. Mais ils ne me mangeront pas. Mais ils pourraient t'entamer. Et puis, c'est pas ta place dans cette maison. Mais elle passera pour ma sœur, elle sera Nino. Oh, dis oui, Honoré, dis oui, si tu savais. Ça m'amuserait tant. Ah, moi, ce gosse. C'est vrai qu'il rigole pas tous les jours chez son père, monsieur Lepage, l'architecte. C'est un brave homme, mais il est toujours plongé dans ses épluchures. C'est quoi? Non, il faut dire des épures. Alors, Honoré. Eh, ben, c'est oui, ben. Ah, ben, je reste ici pour surveiller la petite. Attendez, je vous donnerai un coup de main. Tu vois, chérie, monte dans ma chambre, appelle Paulette et choisis une de mes robes, la plus jolie. On veut que ma petite sœur ait beaucoup de succès. Oh, merci, Viviane. Ouh, oh, ça va. Hé, hey, tu sais, je rentre pas tard, je me couche de bonne heure, moi. Par là? Oui, par là, chérie. Alors, regarde-moi ça, tiens. Ah, tu sais, c'est pas commode à conduire une jeune fille. D'à conduire en auto? Dans la vie. Et comme disait mon brave homme de père, garder sa chèvre, c'est difficile, mais bien moins que de garder une file. Toujours vos proverbes, Honoré. Les proverbes, c'est la vérité du peuple. Ah, dis donc, tes invités, là, tes amis... C'est des gens comme il faut. Rassurez-vous, ce sont des gens très comme il faut.
Brûle à nous, ben c'est ainsi que nous, nous sommes connus à Canon. Nous n'avons que rien de nous, autant que nous la nous, ben qui nous met sur les genoux. Tous les soirs on s'amène nous, l'on rigole sans à nous, nous, dans tous les plus nous, on ne connaît que nous. Suzanne, sont comme il faut des avis élevés. Oui, oui, ça va, Honoré. Rangez tout ça et allez vous changer. Oh, bien, madame. Ceci. Oh, oui, elle est jolie, mais un peu trop décolletée pour mademoiselle. Mais c'est ce qu'il me faut. Et les chaussures. Voilà. Les chaussures qui vont avec. Pourvu qu'elle m'aille. Merci. Quelle chance. On les irait faites pour moi. Tu es très bien comme ça, chérie. Monsieur Gérard Cardoval. Pardon. Au revoir, mes amis. Au revoir, ma petite Viviane. Tenez, c'est bon. Merci, mon ami Bob. Monsieur, je suis ravi de vous connaître. J'espère que nous allons passer. Ne fatiguez pas, c'est pas le français. Oh, ben, je suis ravi tout de même, monsieur. Yeah. Oh, bon. Nice boy. C'est gentil de m'avoir apporté un cadeau. Oh, yes, bagatelle. Est-ce que je vais bien pouvoir lui donner? Oh, mais c'est vrai, vous ne me comprenez pas. Voilà, guess you're right. Oh, j'ai une idée, l'oiseau mécanique. Ah, j'arrive en droite ligne de Roubaix, j'ai sorti tout à l'heure. J'ai bu la route, j'ai bu l'obstacle. Oh, je suis content d'être enfin à Paris, vous ne pouvez pas. Mais quelle transformation, je ne vous reconnais plus. Oh, ces gens de province. Comment ces gens de province? Mais où ça, les gens de province? Mais moi, je veux devenir parisien, moi. Comment, monsieur, vous voulez devenir parisien? Dites-moi, monsieur, n'ai-je pas toutes les qualités nécessaires? Oh, si, mais pour devenir parisien, il faut avoir des défauts et même des vices. Oh, alors là, pour ça, j'en ai un qui dégote tous les autres. Je fais passer à vos yeux pour le dernier des messieurs, le garçon le plus immonde, le plus dégoûtant du monde. Vous allez me juger mal et me trouver anormal. Vous direz quel goût étrange, quelle boue et quelle fange. Même si l'on m'en veut, j'en fais l'aveu. J'aime les femmes, j'aime les femmes. Voilà mon vice, ma faiblesse et mon défaut. J'aime les femmes, ça peut paraître singulier, mais il m'en faut. Je sais qu'on blâme ceux de nos jours qui sont pour femmes. Moi je suis pour, oui, je suis pour. Je suis pour femme, car sans les femmes, je ne pourrais jamais faire l'amour. Pour elle déjà en pension, j'avais cette propension. On m'a même, vous le dirais-je, renvoyé de trois collèges. On me fit l'homéopathie en plaçant près de mon lit pour que je rentre dans la norme de jeunes gens sans uniforme. Ces jeux de collégiens ne me disaient rien. J'aimais les femmes. Tout petit, je les avais déjà dans la peau. J'aimais les femmes, et j'ai grandi en sentant grandir mon défaut. Dans le programme de notre cours, j'avais mes dames, un seul amour, la Pompadour. Oh, cette femme, c'était une femme, je lui dois mes premiers rêves d'amour. Voilà, Gérard, un cadeau pour vous. Oh, vous êtes vraiment trop gentil, vous me gâtez trop. Merci, Julien. Thank you.
invité? Oh, merci. Bagatelle. Très parisienne. Merci, c'est... Madame. Bagatelle. Oh, merci, monsieur. Oh. Monsieur? Richard Nathaniel Archibald Arbuthnot. Comment? Yeah. Bob. Ah bon? Madame? Vous êtes là. Ah bon. Alors dites donc, j'espère que vous m'avez placé à côté de quelqu'un d'amusant, hein. J'ai l'intention de rigoler ce soir, vous savez. J'ai votre affaire. Ah, qui ça? Ma petite sœur, Ninon. Je l'ai mise à côté de vous. Comment? Vous avez une sœur? Mais oui. Et quelle profession? La mienne. Ah. Elle a dit ses tours, elle s'installe à Paris. Ah, ça. Vous permettez? Je vous en prie, faites comme chez vous. Une provinciale. Qu'est-ce qu'il y a, Honoré? Est-ce que mon habit me va bien? Mais oui. Écoute, je ne veux pas que ce garçon-là soit à côté de moi ni qu'il me déplaît. C'est un charmant garçon. Moi, ça m'est égal, je ne veux pas qu'il soit à côté d'elle. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Rien, mais je ne veux pas qu'il soit à côté. Mais allons, du calme, ah, ben, Honoré, Monique, du calme. Sais, mon cher, ne vous impatientez pas, mes amis ne vont pas tarder. Ah, oh, mais je ne m'ennuie pas du tout. Dites-moi, vous permettez, je me serve de votre coiffeuse, j'ai les cheveux un peu en désordre. Hein. Allez dans ma chambre, au premier, deuxième porte à gauche. Merci. À passer votre robe. Mais alors j'y pense. Vous m'avez vu en combinaison? Ah oui, ça. Je dois même vous avouer que vous avez de très jolies jambes, vous savez. Hmm? Voilà, mademoiselle. Vous pouvez disposer. Je me charge de mademoiselle. Mais non, non. Voyons, mais qu'est-ce qu'il y a avec cette robe? Ça gonne un peu dans le dos. Ah, ça c'est vrai. Oh, qu'il y a un grand pli. Vous permettez? Oh, oh, ne me chatouillez pas. Oh, mais non, voyons, pas du tout. Voyons. Oh, permettez. Oh. Oh, quelle peau vous avez. Une douceur. Un grain. Du satin. Ah, ben oui, j'allais le dire. Oh, oh, pardon. Le pli a disparu. Et pas tant, monsieur le couturier? Non, monsieur est amateur de jolies robes. Et de jolies femmes. C'est pour moi que vous dites ça? C'est pour vous. Vous êtes très jolie, vous savez. Non, vous fatiguez pas, les... On me l'a déjà dit. Oh, ça, je m'en doute. Vous êtes une amie de Viviane? Oh, plus qu'une amie. Je suis... sa sœur. Ninon? Ninon. Non. Comment non? Non, c'est impossible, la sœur de Viviane, d'une petite de province, alors. Eh bien. Oh, mais vous êtes tout à fait rue de la paix. Oh, c'est un genre que je me donne. Non, mais alors quoi, sans blague? Sans blague. Vous êtes née à Tours? À Indre-et-Loire. Oh, tous mes compliments. Dites donc, on travaille bien en Touraine. Vos parents n'ont pas perdu leur temps, hein? Ils se sont appliqués. Dame, en province, on n'a que ça à faire. Oh, quel joli réveillon, je vais passer près de vous, écoutez. Mais dites-moi, vous ne m'avez pas dit qui vous étiez? Ah, c'est juste, Gérard Cardoval. L'homme des tissus? Oui. De Roubaix? Non. Eh bien, vous n'êtes pas mal, vous savez. On travaille bien dans votre province. Eh bien, voilà, on est deux petits réussis. Oh non, écoutez-moi plus. Non, laissez-moi. Écoutez. Qu'est-ce que vous faites là? Parce que vous en connaissez. Drôle de façon de faire connaissance. Non, mais qui est-ce, monsieur? C'est mon chauffeur. Oui, monsieur, je suis le chauffeur. Comment, le chauffeur? C'est vous qui commandez? C'est moi qui commande, parfaitement. Écoutez. Je n'ai... Oh! Thank you.
qu'est-ce que vous faites là? Rien, et vous? Ah ben, rien non plus. Ah ben, c'est moi qui ne voulais pas être à côté de vous, ça alors? Moi non plus. On suit encore un tout petit peu. Écoutez, comme ça vous connaîtrez mes pensées, hein? Oui. Voilà. Paulette. Tiens, voilà 10 francs. C'est pour toi. Tu vas me dire ce que l'on fabrique là-dedans. Oui. Je vais te soulever pour que tu vois mieux. Qu'est-ce qui se passe? Attention! Encore une fois, les enfants! À mon signal, tout le monde s'embrasse! Oh! Oh, je vois un monsieur qui embrasse une femme! Oh! Tiens, Un, deux, trois! Alors, qu'est-ce que tu as vu? Rien! Rien? Le fils! Oh! Mais dites donc, vous ne pouvez pas faire attention, non? Je vous demande pardon, monsieur. Lève-toi et allons-nous-en. Oh, mais Honoré, le souper n'est pas fini. Oui, mais moi, ma patience, elle est finie. Fichez-moi ce tomador. Viens, monsieur. Mais Honoré... Pas une minute de plus. Allez. Allez, allez, vous n'avez rien à faire ici, allez-vous-en. Je t'attends dans notre chambre. Allez, ouste. À l'office. Ça va. À l'office, moi, vous savez pas qui vous parlez. Vous savez pas qui je suis, moi. Oh, ne se montre pas. Ah, bah, comme ça, il ne vous embêtera plus. Ah. Oh, ma petite Ninon. Écoute, il faut partir. Il est tard. Ce ne sont pas des amusements pour une jeune fille. Ce sont des orgies romaines. Oh, mais je m'amuse tant, Honoré. Et si tu venais à faire une culbute? Mais je ne ferais pas une culbute. Mais on ne sait jamais, ce sont des choses qui arrivent sans qu'on le fasse exprès. Et comme disait ma bonne grand-mère, plus celle qui fait un faux pas, elle veut se rattraper un peu pas. Encore une toute petite heure, Honoré. Non, je remplace ta défunte mère et je te dis ma fille. Et moi je dis maman, tu m'embêtes. Ah, n'insulte pas ta mère. Et ton père qui m'a dit Honoré, je vous la confie. Qu'est-ce qu'il dirait? Mais laisse ma famille tranquille, écoute. Oh, bah, écoutez ma petite Ninon, mais qu'est-ce que vous faites? Voyons, on vous attend. C'est mon chauffeur qui veut m'emmener. Bon, votre chauffeur, mais il en a de bonnes. C'est lui qui commande? Monsieur, il est tard, on m'a confié la petite, il faut rentrer. Je trouve ça tordant, si vous voulez, vous dire. C'est tordant, mais c'est comme ça. Mais d'ailleurs, moi, j'ai quelque chose à vous dire, et de très sérieux. Ma petite Ninon, allez finir votre glace qui est en train de fondre, je vous rejoins tout de suite, hein? Alors, vous êtes le chauffeur de... Ouais. Ça tombe bien, j'ai justement besoin de renseignements sur votre maîtresse. Vous allez m'en donner. Tenez-moi. Non, monsieur. Moi, vous refusez? Oui, monsieur. Oh là, incorruptible. Non, chauffeur. Alors dites-moi, dis donc, c'est une petite poule, hein? Une petite... Enfin, si l'on veut. Comment si l'on veut? Ah oui, je comprends ce que vous voulez dire, oui. Elle a quelqu'un? Oui, quelqu'un qui habite avec elle, qui s'occupe d'elle. Un vieux? Mon âge. Comment votre âge, elle veut rester avec lui? Elle ne peut pas s'en séparer. Il est donc bien riche? Ah, pour ça, non, monsieur. Écoutez, je comprends pas, il faudra bien qu'elle le plaque un jour ou l'autre, voyons. Forcément, ce sont des choses qui arriveront. Eh bien donc, selon vous, il y a affaire. Il y a affaire avec qui? Avec Ninon. Avec Ninon? Mais vous en avez des idées. Avec Ninon? Bon, allez, qu'est-ce qui vous prend? Comment est-ce qu'il prend? Si vous exploitez, vous auriez affaire à moi. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre. Le 1er janvier, marqué la date, votre maîtresse sera la mienne. Non, monsieur. Voulez-vous parier? Tout ce que vous voudrez, monsieur. 1000 francs. 5000. 15000. 23 500. Et pourquoi 23 500? Ce sont mes économies, je risque le paquet. Aïe. C'est donc si difficile que ça de l'avoir? Ce n'est pas difficile, monsieur, c'est impossible. Eh bien, c'est ce que nous verrons. C'est tout vu, monsieur. Bravo. Je vous ordonne de partir immédiatement. Et moi, je vous supplie de rester. Monsieur! Ma charmante voisine, voulez-vous me faire l'honneur de m'accorder une biguine, puisque la biguine est en faveur? C'est une danse très gentille et remplie de corrections. C'est tout à fait pour famille. Je vais vous faire une démonstration. Ah.
Christmas. Father Christmas. Cadeau. Dans cheminée. Bagatelle. Soulier. What? Vanille. Ah. Oh, yes. Present. L'été. Huh? Pas la barbe. Yes. Ça. Oh, bagatelle. Good. Lulu. Là. Gabby. Là. Loulette. Ma petite Viviane, laissez-moi vous remercier pour ce soir. Oh, vous savez, je suis pincé, je suis mordu, je suis fou de joie. Tenez, il faut que je vous embrasse. Oh, 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 oh. Ah, pardon, monsieur, je vais vous dire. Non, non, je ne comprends pas, laissez-moi lui expliquer. Ah. Monsieur, master, il m'embrassait. Qui ah. Pas pour moi, pour sister. Le... Oui, il comprend, nous nous entendons très bien. Oh, oh, bravo. N'est-ce pas, Bob? Le kiss pour sister, pas pour moi. Le kiss, c'était pas pour moi, le kiss, pas pour moi, pour sister. Mais venez, c'était excusez-moi. Pas pour elle, c'était pour sa oui, soeur. Sister. Elle dit sister, vous ne comprenez pas le kiss. Pour sister, oh, mais je comprends rien, puis... Loulou, Lola, Gabi, Ninon. Gérard. Ninon. Je venais vous dire adieu, il se fait tard. Oh, ce n'est pas vrai. Je vous tiens et je vous garde. Alors, c'est... C'est vrai ce qu'on m'a dit? Vous avez quelqu'un? Mais naturellement. Ah, un vieux? Pas si vieux que ça. Oh, ma parole, on dirait que vous l'aimez. Mais certainement, je l'aime. Il est si bon pour moi. Oh, mais ça n'a rien à voir avec l'amour, ça, écoutez. Il y a longtemps que vous êtes avec lui? Oh, oui, longtemps. Il m'a connue toute jeune. Oh, c'est dégoûtant. Oh. Et vous dites ces choses-là avec un petit air pur. C'est curieux, par instant, vous prendrez pour une jeune fille. Oh, mais je n'en suis pas une. Oh, ben, heureusement. Heureusement? Vous n'aimez pas les jeunes filles? Oh, je ne peux pas les sentir. Alors? Vous n'êtes pas pour le mariage? Ah non, alors, oh là là, oh le mariage, mais quel Dupruy, voyons. Comme si on ne pouvait pas s'aimer en se passant du maire et du curé. Oh, parbleu. Ah, minuit. Ma petite non, Ninon. Non, non, non. Oh, écoute, Ninon, vous ne pouvez pas me refuser ça, vous, minuit. C'est un usage. Oh, l'année s'enfuit avant qu'une autre l'avantage. Dans tous les pays, lorsqu'on entend sonner minuit, au douzième coup, la tradition veut qu'on embrasse, un peu ou beaucoup, celle qui se trouve auprès de vous. Cet usage est formel, allons respectons-le, c'est le petit Noël de tous les amoureux. Ninon, ne me dites pas non, chaque baiser, c'est du bonheur que l'on donne. Et Ninon, allez-y sans façon, et soyez bonne, un petit baiser c'est si bon. Pour que chacun gagne à ce jeu, donnez-moi un, je vous en rendrai deux. Ninon, ne me dites pas non, tout est permis, un soir de réveillon. Songez qu'à l'instant, en Amérique, en Angleterre, au Japon et en Hindoustan, on en fait autant. Dans le monde entier, on voit la moitié de la terre qui reste éveillée pour embrasser l'autre moitié. Des couples par milliers profitent de l'occasion, et seul vous voudriez que l'on fît exception. Ninon, ne me dites pas non, chaque baiser, c'est du bonheur que l'on donne. Et Ninon, allez-y sans façon, et soyez bonne, un petit baiser c'est si bon. Pour que chacun vaille à ce jeu, donnez-moi un, je vous en rendrai deux. Ninon, ne me dites pas non, tout est permis, un soir de réveillon. Campagne, chante. Oh. Ah, c'est gentil ces petits amours. Et bon. Je vois pas pourquoi je mettrais pas le mien. Là. On va leur marquer comme ça. Campagne, chope. Oh. Comment encore vous? Vous pouvez pas nous ficher la paix, non? Mais je fais mon service, monsieur. Donnez-moi une coupe, non? Non. Comment non? Vous avez assez bu. Oh.
et moi, vous permettez? Si vous voulez. Ah, merci. Tenez. Oh, merci. C'est pas honnête ce que vous faites là, vous voulez chavirer la petite? Oh, dites donc. J'ai soif, Honoré. Tu bois un verre d'eau sucrée à la maison. Mais minuit veut à peine de sonner. Minuit à vos sacrés pendules. Ah bah monte, il est minuit un quart. Non mais écoutez, cher monsieur Honoré, on n'a pas encore tiré l'arbre de Noël, voyons. Accorde-moi encore un tout petit quart d'heure. Ah oui, oh, un petit quart d'heure. Je viendrai à minuit et demi, hein. C'est ça, c'est là. Ça. Ah, c'est gentil, monsieur. Vous n'avez pas la peine. Merci. Merci. Vous êtes gentil, vous savez. Au revoir, monsieur Honoré. Et il peut toujours chercher l'heure à sa montre. Pourquoi? Tenez, je viens de lui jiper. Oh, Gérard. Mais c'est de bonne guerre, voyons. A-t-on idée de vous faire moucharder par votre chauffeur? Comment pouvez-vous supporter cela? Mais il faut bien. Mais non, il ne faut pas. Une jolie fille comme vous peut tout avoir, tout espérer. Elle n'a qu'à demander. Oh, même pas, tenez. Elle n'a qu'à attendre. Attendre quoi? Mais le sort de Cendrillon. Avez-vous seulement regardé dans votre tableau? Hein? Eh bien, venez voir. Voyons, Loulou. Ah, voilà. Ninon. Mais il y a un petit papier. Ah, il y a un petit papier. Mm-hmm. Lisez-le. Bon pour le bonheur. Hein? Bon pour un petit hôtel. Un petit hôtel. Ah bah, continuez. Bon pour une grande auto. Bon pour 365 robes. Bon pour un voyage à Venise. Oh, Venise, mon rêve. Bon pour tout ce qui vous plaira. Le Père Noël. Oh, Gérard. Je suis très touchée de l'intention. Mais c'est trop. Comment trop? Ah bah, laissez-moi au moins vous faire un petit cadeau, hein. Pardon, je reviens. Fermez les yeux. Tenez, prenez ça. Mais c'est... Un cadeau pour vous. Merci, vous êtes gentil, vous me gâtez trop. Oh, ma petite Mignon. Non. Attention, nous ne sommes pas seuls. Oh, c'est l'anglais, il ne comprend rien, alors. Oh, ma petite Ninon, je vous adore, écoutez. Je veux vous offrir des bijoux, des voitures, des fourrures, mais tout ce que Cendrillon a pu rêver. Je ne peux pas. Oh, pourquoi? Ah, à cause de votre vieux. Oh, écoutez, mais plaquez-le, votre vieux. Puis plaquez en même temps, c'est un imbécile d'Honoré qui vous assomme, parce que vraiment... Imbécile? Qui a parlé? Oh, c'est le Père Noël. Oui, le Père Noël, Honoré, qui vous est... Vous êtes deux voyous, deux polissons, vous entendez? Le quart d'heure est écoulé, tenez. Pas encore, Honoré. Si, à ma montre. Oh, on m'a barboté ma montre. En voulait une maison. Ça n'empêche pas qu'on va s'en aller, vous allez voir, et tout de suite. Un truc comme ça, que... Oh, il y a un cadeau. Ma montre. Tout le monde se fout de moi ici, même le Père Noël. Je donne un tour de manivelle à la voiture et j'en viens te chercher tout de suite. Oh, tu vas voir, moi. Ma petite Ninon, donnez-moi votre adresse. Non. Bon, donnez-moi votre numéro de téléphone. Hein. Non. Comment, non? Vous ne voulez plus me revoir? Non. Vous ne voulez plus que je vous aime? Non. Oh, vous préférez votre vieux? Non. C'est bien, je vous retrouverai quand même. Comment? Par votre soeur Viviane. Viviane? Elle ne vous dira rien. C'est ce que nous verrons, ça. Je voudrais connaître l'enfant de salon qui a crevé mes quatre pneus. Comment? On vous a fait ça? Alors on ne peut plus partir? On ne peut plus partir. Mais on va partir en vitesse. Quand je dis en vitesse, au ralenti. On roulera sur les gens. Oh, sois gentil, Honoré. Tu vas rentrer tout de suite à la maison. Oh, chez nous, nous un crouton. Tu m'as dit crouton? J'ai dit un crouton. Je ne permets pas que tu me partes sur ce ton. Oh. Comment, monsieur, vous vous permettez? Mais de quel droit? Dites-moi. J'ai tous les droits. Comment, tous les... Ah, oui, c'est votre père. Je vais vous expliquer, Gérard. Alors, l'adresse. L'adresse, je n'ai pas pu l'obtenir. Nous avons perdu la trace de Ninon. Viens voir mon petit carbonier, je serai plus malin que vous. L'adresse, je l'aurai. Nous verrons. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Eh bien, continuez à envoyer tous ces cadeaux chez Viviane. Elle les fera parvenir à sa sœur. Voyons, quelques fleurs. 5 corbeilles. Les bonbons. 6 kilos. Les parfums. 10 flacons. Les robes. 4 modèles. Il y a 2 boîtes, n'est-ce pas? Mais c'est pas pour moi. Oui. Ça non plus. Parfumerie. Mais ça non plus. Oh, no, this is for you. Mais je vous répète que c'est pas pour moi. Who is it for? C'est pour ma sœur. Ma sister. Sister. Ninon. Ninon, no, I can't believe you. Ah. Mais c'est fragile, faites donc
Des marrons glacés, des fruits confits, des flacons d'odeur. J'en ai assez de ton Gérard et de tous ces paquets. Oh, regarde comme c'est joli, Honoré. Hein? Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton père quand il va voir tout ça? Oh, mais je m'arrangerai. Oh, regarde. Ah, tu t'arrangeras des mensonges. Et comme disait ma tante Caroline, une fille qui commence à mentir, elle doit mentir sans plus finir. Oh. Je suis reprochable. J'aurais dû tout avouer à Monsieur Lepage. Honoré, tu ne ferais pas ça. Si, je le ferai. Non, tu... Si, je le ferai. Mais c'est le téléphone. Allô? Ah, c'est toi, Viviane? Hein? Quoi? Mais oui, tu peux parler. Papa est dans sa chambre. J'en ai assez de servir d'intermédiaire. Mon anglais me fait des scènes, il croit que tous les cadeaux de Gérard sont pour moi. Je commence à en avoir assez de ton idylle avec Gérard. Écoute, Gérard veut mon adresse. Non, non, je te défends de la lui donner. Non, je ne veux pas le revoir. Passe-la-moi. Nous ne voulons pas le revoir. Oh. Qu'est-ce que tu... Tu dis qu'il a envoyé des fleurs? Ça, c'est gentil. Mais nous n'en voulons pas, les fleurs. Elles sont déjà parties. Oh, des fleurs, c'est le bouquet, ça. Oh, allons, oh, ne bougonne pas tout le temps. Mais qu'est-ce que tu vas dire à ton père? Des mensonges. Et comme disait ma tante Caroline, une fille qui commence à mentir, elle doit mentir sans plus finir. Oh, écoute, Honoré, je suis reprochable. Je vais trouver ta mauvaise excuse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te disputes encore avec Honoré? Non, nous discutions au sujet du mur. Une fille qui commence à mentir, elle doit mentir sans plus finir. Ça va. Bonjour, mon petit papa chéri. Bonjour, ma petite fille. Tu sais que c'est ce matin que doit venir le jeune Landier qui t'a connu chez la tante Louise. Ah oui, le nouveau prétendant, le cinquième. Ouais. J'avais complètement oublié. Oh, Monique. À quelle heure vient-il? Voyons, il est 11h. Il va pas tarder. Alors, je n'ai plus le temps, papa. Je viens d'entendre que le fils Landier allait venir. Alors, je sers le porto comme d'habitude. C'est ça, Honoré. Non, tu sais que le fils Landier est un très bon parti. Il est premier clerc chez Maître Tivolier. Tu devrais te décider. Je voudrais tant te voir marié. Et moi, donc. Alors, je retire les housses. Oui. C'est ça, Honoré. Pas là-bas, Honoré. Mais moi, je fais ça. Mais non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? Mais ça. Ce sont des paquets. Des paquets, je vois bien que ce sont des paquets, mais quels paquets? Les paquets, les paquets de la tante Louise. Comment c'est la tante Louise qui a envoyé tout ça? Un vieux qui commence à mentir doit mentir sans plus finir. Mais non, mais elle est gentille, la tante Louise. Ah oui. Tu l'as bien remercié, au moins. Ah oui, papa. Oh, on dirait qu'on a sonné. Ça doit être le fils Landier. Allez. Vite avec les paquets. Oui. Mettons tout en ordre. C'est ça. Là. Moi, je te quitte. Oui, parce que vous aurez certainement des petits mots d'amour à vous dire. Dans ces entrevues-là, un vieux papa est... Mais tu peux rester, tu sais, papa. Non. Bonjour, monsieur Landier. Bonjour, Honoré. Mademoiselle est là. Il est bien mieux que la dernière fois. Par ici, monsieur. Merci. Bonjour, mademoiselle. Permettez-moi de vous offrir ces quelques fleurs. Oh, merci, monsieur. Vous êtes trop aimable. Je vous en prie. Asseyez-vous. Merci. Voilà. J'étais venu voir monsieur votre père. Non. Comment non? Mais non, c'est moi que vous venez voir. Mais pourquoi ne pas parler franchement? Je ne vous ai pas déplu au premier abord. Vous voulez me connaître mieux, mais c'est tout naturel. Causons. Que voulez-vous savoir? Ah, oh, pardon. Je vous en prie. Eh bien, la bonne heure. Vous ne cherchez pas midi à 14h. Ben, n'est-ce pas préférable? Voilà le porto. Ah, merci, Honoré. Posez-le là. Voilà. Monsieur veut-il que je le serve? Volontiers, oui. Merci. Oh. Monsieur est bien, monsieur oui. A tout ce qu'il lui faut. Oui. Un petit biscuit pour faire trempette? Non, merci. Non. Elle est jolie, hein? Oui. Voyons, Honoré. Pardon. Non, je vous en prie. Pardon. Merci. Voilà. C'est votre maître d'hôtel. Honoré? Oh, il est tout ici. Ah, vous n'avez que lui. Oui, autrefois, nous avions un train de maison, mais la crise est venue, il a fallu se restreindre. Ma dot elle-même a été réduite.
Gérard ne me donne plus que 200 000 francs. Excusez-moi, je vais mettre le fer dans de l'eau. Serait-il indiscret de vous demander si cette somme vous sera versée en espèces ou en valeur négociable? Oh, valeur négociable? Oui, parce que plus tard, j'ai l'intention d'acheter une étude. Alors, il vaudrait mieux des titres faciles à réaliser. Oh, ça, je ne sais pas. Oui, oui. Excusez-moi de vous poser ces questions, mais... Quand on s'établit en ménage, il faut établir son budget. Monsieur, c'est un effet très sage. Expliquez-moi tous vos projets. Je ne suis pas, j'estime, ni ladre, ni grégou. Mais je vois que pour vous, 5 centimes, ça fait tout de même un sou. Il ne faut pas, je le soutiens, vivre au-delà de ses moyens. Eh bien... Voici ce que je pourrais faire. Et dites ce que vous pourrez faire. Je vous donnerai 3000 francs par mois. C'est beaucoup, 3000 francs pour moi. Mais vous devrez payer ma chère, la blanchisseuse, la couturière, le gaz et l'électricité. Enfin, tous les petits à côté. Vous ferez vos robes vous-même. Je ferai mes robes moi-même. Vous ferez aussi vos chapeaux. Je peux très bien sortir sans chapeau. L'important, n'est-ce pas, c'est qu'on s'aime. L'important, surtout, c'est qu'on s'aime. On peut vivre heureux sans auto. À quoi servirait le métro? Nous aurons ménage modeste, une femme de journée le matin. Et c'est moi qui ferai le reste, ça m'occupera, c'est bien certain. Parfois, plaisir très rare, au théâtre on ira. Nous irons voir jouer là-bas. Sûrement ça vous plaira. Il faut savoir être économe et dépenser le minimum. Enfin, voilà ce que je pourrais faire. Et dites ce que vous pourrez faire. Vous recevrez un jour par mois. C'est beaucoup trop, un jour pour moi. Nous ferons avec des intimes un bridge, mais au quart de centime. Le soir, nous jouerons au loto. Mais pas de l'argent, dit haricot. Nous déjeunerons le dimanche. Dans les boîtes melons sous les branches. Moi, je pensais chez mes parents. J'avoue que c'est beaucoup plus marrant. L'important, n'est-ce pas, c'est qu'on s'aime. L'important, surtout, c'est qu'on s'aime. Et que l'on s'entende très bien. Le divorce n'est pas pour les chiens. Ce sont des fleurs qu'on apporte. Oh, elles sont jolies. Et je les renvoie? Mais non, Honoré, posez-les là. Oh. Il y en a encore 4 corbeilles comme ça. 4? Oh, portez-les dans ma chambre. J'espère qu'on vous garde. Oui, c'est un de mes danseurs. Menteuse. Une fille qui commence à mentir, elle doit mentir sans plus finir. Mais oui. Une corbeille comme celle-là représente une fortune. Il y en a encore 4 comme ça dans l'antichambre. Mieux vaut le modeste bouquet du travailleur. Mademoiselle, je reviendrai prochainement quand vous êtes monsieur votre père. Et certainement quand vous voudrez. Honoré, reconduisez monsieur. 700 francs. Et il y en a encore 4. Petit paquet qu'on apporte pour toi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est ton Gérard qui a envoyé ça à ta Suzanne et ta Suzanne nous l'envoie. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, une bague! Dis donc, et le petit dandier qui sort d'ici? Qu'est-ce que tu redis? Il me convient, moi? Bah, épouse-le! Et toi, il te déplaît? Comme les autres! Alors c'est encore non? Mais qui t'attend pour te marier, ma fille? Qui t'attend? Un prince, un marquis, un duc? Ah, prends garde, comme disait ma tante Coraline. Qui t'attend de manger du perdreau, il laisse passer le bouilli et le roux. Fiche-moi la paix. Oh, regarde comme elle est jolie. C'est dégoûtant, va. Comment? Monsieur Landier est parti? Oui. Et alors? Ça ne colle pas.
Oh, mon fauvoyant, pourtant il m'a paru gentil, ce garçon. Enfin, qu'est-ce que tu lui reproches? Rien. De quoi avez-vous causé, tous les deux? D'argent. Comment d'argent? Bah oui. Il m'a demandé si les valeurs de ma dot étaient négociables. Oh, par exemple. Mon fauvoyant, tout de même, il y a d'autres sujets de conversation. À une petite poule, on demande ce qu'elle désire. À une jeune fille, ce qu'elle apporte. C'est drôle. Tu es bête, fillette. Si tu crois que les hommes tiennent les promesses qu'ils font aux petites femmes... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hmm? Eh bien, tu ne l'ouvres pas. Oh, mais si, papa. Oh! 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 Oh, la belle dague. Elle est splendide. C'est M. Nandier qui t'envoie ça? Mais oui, qui veux-tu que ce soit? Une fille qui commence à mentir. Elle doit mentir sans plus fini. Mais alors, il se considère déjà comme ton fiancé? Ben, faut croire. Oh. C'est égal, tu sais. Une bague de ce prix-là, faut pas décourager ce garçon-là. Tout de même, convient que tu te trompais joliment tout à l'heure. Moi? Tu disais qu'on offrait des bijoux aux petites femmes. Tu vois? Je vois. Maintenant, mes enfants, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il paraît qu'il y a un acheteur pour mon hôtel. Oh, cet hôtel de malheur où vous avez mis toutes vos économies, ça serait une chance. Je passe vite à mon bureau et je reviens. Au revoir, papa. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Écoute, ma petite poignée, ton Gérard te fera perdre la tête. Et après, si je la perdis un peu. J'admets que la jeunesse ait envie de s'amuser. J'ai même la faiblesse ici-bas de tout excuser. Mais il y a des limites, faut pas aller trop loin. Souviens-toi, ma petite, que pour aimer, faut être conjoint. Ne fais jamais d'écart, sois très prudente car... Quand on perd la tête, ne fût-ce qu'un moment, on ne perd pas que la tête, on perd également ce que tu supposes, d'abord et ensuite, et des tas de petites choses qu'on ne retrouve plus. L'estime de son père, l'estime de sa mère, et de sa famille entière, de ses frères et sœurs, de son confesseur, et de tous les fournisseurs, de son charcutier, du garçon laitier, et tous les gens du quartier, du voisin de palier qui est officier, d'un sous-son public et nous salue dans l'escalier. Méfie-toi, fillette, qu'au bout d'un moment, quand on perd la tête, on perd tout en même temps. Deuxième exemple. Un grand coureur cycliste, courbé sur son guidon, aux 6 jours sur la piste, était en tête du peloton. Soudain, son pneu éclate, lui éclate en sanglots. Les autres se carapatent et lui prennent 3 tours aussitôt. Comme j'allais le consoler, il me dit tout dégonflé. Quand on perd la tête du peloton, on ne perd pas que la tête, on perd son renom. On perd et pour cause, la course et en plus, des tas de petites choses qu'on ne retrouve plus. Le maillot de couleur, le bouquet de fleurs et le petit tour d'honneur, des tas de profits, sa photographie et les bravos des titis, les primes des gens chics et de la fabrique qui fabrique les pneumatiques, du marchand de casquettes, de fixes chaussettes. J'allais oublier toutes les primes de Miss Tinglette. Sur une bicyclette, on oublie souvent qu'en perdant la tête, on perd tout en même temps. Tu as raison, Honoré. Je me rends compte que ça ne peut aboutir à rien. Tiens, je vais chez Vivian. À condition que tu me jures que c'est pour en finir avec ce gigolo. Je te le promets. Oh. Madame est dans son bain. Justement, j'allais lui porter son peignoir. Eh bien, ça tombe bien. J'ai besoin de lui parler. Mais monsieur... Anglais, il ne comprend rien. Et puis donnez-moi l'adresse de Ninon et je ne vous raserai plus. Attendez-vous! Bon, bon. Mais de Ninon, impossible, elle me l'a défendue. Ah, elle a bien reçu mes fleurs? Oui. Ma bague? Oui. Elle va bien depuis le réveillon? Oui, elle va bien, mais allez-vous dans, Gérard. C'est impossible. Ah, je le sais, allez. Seulement vous allez me pardonner. Venez, regardez. Hein? Vous voulez m'acheter? Vous permettez que je passe ce pendentif autour de votre cou.
Oui, mais fermez les yeux. Oh là là. Aucune importance, allez, je ne regarde pas. Vous pouvez me montrer tout ce qui vous plaira. Vos mollets, vos genoux, vos épaules et vos bras. Vous pouvez sans pudeur exhiber vos appâts. Vous montrez nu du haut en bas, je ne regarde pas. Car je vous en informe, votre corps si bien fait, si parfait dans ses formes, ne me fait pas d'effet. Quand on est vraiment amoureux, madame, on ne peut, madame, on ne peut en aimer qu'une. Quand on a trouvé celle qu'on veut, on n'en veut plus qu'une, rien qu'une, pas deux. Si c'est une blonde aux yeux bleus, madame, on ne peut aimer les brunes. Mais si c'est une brune qui vous a plu, toutes les blondes du monde ne compte plus. Vous pouvez me montrer dans un mauvais dessin le dessin si joli de vos si jolis seins, vos deux grains de beauté, vos trois petits vaccins. J'ai la vertu d'un capucin, je suis plus sain qu'un saint. Vos charmes, vos avances ne peuvent exciter, soit dit sans nulle offense, que ma curiosité. Quand on est vraiment amoureux, madame, on ne peut en aimer qu'une. Quand on a trouvé celle qu'on veut, on n'en veut plus qu'une, rien qu'une, pas deux. Si c'est une blonde aux yeux bleus, madame, on ne peut aimer les brunes. Mais si c'est une brune qui vous a plu, toutes les blondes du monde ne comptent plus. Monsieur, la sœur de madame est là. Ninon ? Oh, mais quel ange ! Ah non ! Hein ? Vous ? Moi. Lui ! Oui, ma petite, voilà où nous en sommes. Il vient me relancer jusque dans ma baignoire. Pourquoi faire ? Pour avoir ton adresse. Et il emploie pour me l'arracher les moyens les plus vils, tu vois ? Oh, la jolie perle ! Oh, mais vous en aurez bien d'autres. Vous aurez tout ce que vous voudrez. Oh, ma petite Ninon, je suis heureux de vous revoir. Voilà 8 nuits que je ne rêve que de vous. Voilà 8 jours que je ne pense qu'à vous. Je ne dors plus, je ne mange plus, je ne fume plus. Qu'est-ce que vous faites donc ? Oh, me le demande. Oh, mais écoutez, mais je travaille. À quoi ? Mais à organiser votre bonheur. J'ai commandé votre hispano. Carboni court du matin au soir. Il cherche le petit hôtel que je veux vous offrir. Un petit hôtel ? Mais oui, c'est tout trouvé. Ah. Mon hôtel remplit toutes les conditions requises par votre client. Eh bien alors, faites-moi une offre par écrit. Certainement. Et je vous assure que c'est un nid délicieux pour les toilettes. Vous les choisirez vous-même. Et je commence à recruter le personnel. Oh. Oui, vous aurez 2 maîtres d'hôtel, 3 chauffeurs, 4 femmes mais de chambre. Arrêtez-vous. Oh, mais je ne peux pas, écoutez, moi je suis un torrent qui déborde. Va rentrer dans votre lit. Avec vous tout de suite. Oh. Je brûle, je flambe. Moi je gèle, mon bain froidit. Paulette. Monsieur. What's this? What's this hat? Hat. Ben, je crois que c'est un chapeau. Hey, who's the gentleman? Gentleman. Oh là là, il n'est plus que toi. Ah. Where is he? Where? Verre. Ah, monsieur veut prendre un verre. Hein? Pour se consoler. Oh. Oh. Well, leave me alone, will you, now? Vous avez du culot et ma pudeur. Oh, ma petite Viviane, c'est mon existence entière qui joue en ce moment. Alors, vous pensez votre pudeur, on s'en fout. Ah, you, yes. Non, non, laissez-moi lui expliquer. Si Gérard est ici. What? Oh, et je n'ai pas mon dictionnaire. Ninon, toi qui sais l'anglais, veux-tu traduire? Hein? Gérard n'est pas ici pour moi, c'est pour elle. Traduis, chérie. Gérard's not here for Viviane, he's here for me. No, sorry, I can't believe this. Oh, il ne me croit pas, mais mon petit Bob. Oh, who gave you this? C'est Gérard. Oui, oui, c'est moi, monsieur. Oh, non, merci de lui avoir fait connaître Ninon. Traduis, chérie. Oh, that's just to thank her, because she introduces us to one another. Oh, sorry, I can't believe this either. Oh, il ne me croit toujours pas. Oh, oh, bah écoutez, commence à nous barber votre whistiti, s'il vous croit pas. Hein? Whistiti? Ah, le whistiti, il vous dit... Oh! Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh! Oh, il m'a dit... Alors, il parle français? Yeah, je parle et je comprends. Mais enfin, monsieur, pourquoi avez-vous joué cette comédie?
Et parce que je voulais savoir ce qu'on disait de moi. Oh. Eh bien, je suis renseigné maintenant. On se fout de moi. Comment? Oui, je vous ai surpris en train d'embrasser mon maîtresse. Moi? Vous êtes chez elle toute la journée. Et vous lui faites des cadeaux. Mais je vous ai déjà dit que ça n'était pas pour moi. Oui, tant que je n'aurai pas vu Louis avec elle, je ne croirai pas. Et je donne 8 jours. Si dans 8 jours, je n'ai pas vu ensemble coucher dans le même lit, je plaque Viviane. Fini Viviane. Plus Viviane. Compris? Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oh là. Eh ben, voilà propre. Il savait le français. Ouais. C'est affolant. Bon voyage, monsieur Dumollet. What? Alors, voyez le vieux singe. Je suis peut-être monsieur Dumollet, mais c'est vous qui partez en voyage. La vieux singe, il vous donne les 8 jours. Allez faire les paquets. Petite andouille. Oh, mince alors. Eh, mais non, non, écoutez, ne vous affolez pas. Tout va pour le mieux, moi, je trouve. En attendant, je suis dans le lac. Ah, ça? Mais écoutez, dans le fond, mais qu'est-ce qu'il veut, ce brave homme? Nous voir ensemble? Eh bien, il sera satisfait. Pour commencer, ma petite Ninon, je vous emmène dîner à 9h en cabinet particulier chez Armand. Mais vous êtes fou? Je n'irai pas. Elle ira, je m'en charge. Laissez-nous, Gérard. Oh, merci, vous êtes gentil. Alors, je cours chez Armand, retire un cabinet particulier et commander un de ses petits menus en... Je n'irai pas. Elle ira. Oh, merci, ma petite Viviane. Vous êtes une sœur. Oh, une sœur humide, mais une sœur. Alors, à tout de suite, Ninon, à 9h, chez Armand, hein, n'oubliez pas. Si c'est une blonde aux yeux bleus. Madame Oldeuf. Connais chez Armand? Oui, mais je n'irai pas. Oh, qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça? Oh, le singe parle français. Ah, il parle même très bien, ça. Il m'a donné mes 8 jours. Oh, il vous a donné vos 8 jours. Oui. Oh, ben écoutez, j'ai justement besoin de beaucoup de femmes de chambre. Il le faut. Écoute, ma petite Monique, le soir du réveillon, j'étais pour toi tout ce que tu as voulu. Et pour me remercier, tu me fais perdre une situation unique. Et un ami comme je n'en trouverai jamais. Ma vie est déglinguée à cause de toi. Tout de même, mon cabinet particulier. Et après, tu vas dîner avec Gérard. Dîner n'est pas coucher. Oh. Il s'agit de jouer la comédie pendant quelques jours. En voilà une affaire. Tu ne peux pas me refuser. J'ai peur. De Gérard? De moi. J'ai peur de l'aimer. Et mon petit en résiste. Trop facile à dire. Enfin, ça t'est déjà arrivé, l'aimer. Non, c'est la première fois que ça fait toc-toc. Oh, alors ça n'est pas grave. Dis, tu ne pourrais pas venir à souper? Si, je viendrai avec Bob pour qu'ils vous voient ensemble. Non, ça me rassure. Tu verras, ce sera pour toi un joli souvenir. En attendant, veux-tu te retourner un instant? Pourquoi? Je vais enfin sortir de l'eau. Ça me gêne pas? Moi, ça me gêne. Me montrer nue à un homme, c'est normal. À une femme, ça m'intimide. Bon, voilà. J'émerge. 1, 2... Deux couverts. Oui. Mettez les fleurs là. Alors, n'est-ce pas, j'insiste. Beaucoup de tact, d'attention, de gentillesse, n'est-ce pas? Alors, vous, sortez-moi ce que vous avez de plus langoureux, de plus troublant, de plus enivrant, n'est-ce pas? Et quand commencerai-je? Ah, ben, choisissez le moment. Vous avez l'habitude, je pense, n'est-ce pas? Quand les regards se croisent, quand les mains se frôlent, vous partez. Voilà. Alors, vous avez bien compris? Compris. Vous êtes disposé. Ah, Eugène. Très important. N'oubliez pas le petit compliment à l'oreille. Ça fait toujours plaisir, mon ami sera flatté. Quoi? Ah, ben, je ne sais pas, moi, dites-lui qu'il est charmant. Car il est charmant. Bien, monsieur. Ah, dis donc, n'oubliez pas mes 10% sur l'addition, naturellement. Hein. Entendu, monsieur. Alors, tout est prêt? Tout est prêt. Ah, parfait. Vous introduirez la personne en question dès qu'elle arrivera, n'est-ce pas? Et surtout, je vous recommande la plus grande discrétion. Pas de questions, pas de sourire entendu. C'est un cas tout à fait particulier, n'est-ce pas? Monsieur peut être tranquille, nous avons l'habitude. On ferme les yeux. Alors, Robin. Ah, dites-moi, Carbonnier. Oui. Vous vous êtes occupé du petit hôtel? Oui, j'en ai visité 2 ou 3, mais il y en a un surtout qui vous plaira, j'en suis certain. Eh bien, c'est parfait, mon ami. Nous irons le visiter demain matin. Hein? Monsieur, la personne est là. Dois-je la faire rentrer? Mais naturellement, mon ami. Tout de suite, voyons. Alors. Vois, puis-je sortir par là? Mais par ici. Bon, alors je m'éclipse. À demain, mon cher. Hein? Eh bien, allez, allez, allez. Oh, que c'est gentil à vous d'être venu, mon petit chéri. Mon petit chéri, je... Eh bien, mon ami, mais qu'est-ce que vous faites là? Je sonnerai quand j'aurai besoin de vous. Comment, vous, Honoré, vous? Mais oui, Ninon. Dans sa chambre. Elle est malade? Bouclée. Elle est dans une colère folle, je l'ai bouclée. Bouclée, mais pourquoi? Je ne voulais pas qu'elle vienne ici, ça a assez duré, cette comédie. Comment, monsieur, vous vous êtes permis, mais de quel droit? Comment, de quel droit? Oh, c'est vrai, je demande pardon.
Évidemment, les enfants doivent obéir à leurs parents. Évidemment. Mais, cher monsieur Honoré, je vous en prie, asseyez-vous donc. Je vous remercie, j'étais venu pour vous dire ça. Je pars. Non, mais pas du tout, pas du tout, mais vous allez souper avec moi. Vous voulez que je soupe avec vous? J'y tiens beaucoup. Oh, t'es mal, vraiment. Permettez. Pardon. J'aurais l'illusion d'être en face de Ninon. Ah, ce n'est pas la même chose, bien sûr. Mais cependant, vous êtes comme un reflet d'elle. Oui, un reflet. C'est drôle. Elle ne vous ressemble pas du tout. Mesdames. Enfin, qu'importe. Vous la voyez tous les jours. Vous l'avez vue il y a encore une demi-heure. Oh. Oh, c'est curieux. En vous regardant, il me semble que c'est elle que je regarde. Oh, Ninon. Oh, vraiment, vous allez un peu fort. Potage bisque. Très pimenté. Il est charmant. Eh bien, mangeons. Mangeons. C'est bon. Mm-hmm. Vous me croirez, si vous voulez, c'est la première fois que je suis invité en cabinet particulier. Ah. C'est un début. Cher monsieur Honoré, je suis très heureux de pouvoir causer en tête à tête avec vous. Et d'abord, j'ai des excuses à vous faire. Ah oui, le soir du réveillon, je vous ai traité avec un sans-gêne. Je ne savais pas qui vous étiez. Ah, mais vous ne m'en voulez pas, monsieur Honoré. Pourquoi vous m'appelez monsieur Honoré? Mais je n'oublie pas ce que je vous dois. Vous me devez 23 500 francs. Comment? Le pari, vous l'avez perdu. Pas encore, j'ai encore deux jours. Ce sera pareil, allez. Ah non, qui sait en deux jours, vous savez, il peut se passer bien des choses. Non, quand je parlais de ce que je vous dois, je voulais dire que je sais... Merci. Oui, je voulais dire que je sais quels sont les liens directs, très directs, qui vous attachent à mademoiselle Ninon. Je crois que je me fais bien comprendre. Non. Ah oui, incognito. Eh bien, c'est entendu. Vous êtes le chauffeur et rien de plus. Et cuisinier. Oui, et le cuisinier, c'est entendu, oui. Mais en tout cas, vous avez beaucoup d'influence sur elle. Je ne peux pas croire, voyons, qu'elle ne vous ait rien dit pour moi. Si. Ah. Voyez bien, voyons, alors. Puisque tu juges mal tout l'amour qu'il m'inspire, tu vas, m'a-t-elle dit, le rejoindre là-bas. Et tout ce que je vais te dire de ma part. Je connais cette air-là, moi. Et oui, c'est Manon. Tu le lui diras. Que vous a-t-elle dit? Parlez, parlez, j'écoute. Pour ne rien oublier, jusqu'ici j'ai tenu à me le répéter tout le long de la route, je le sais. Attendez. Eh bien, eh bien. Je ne me souviens plus. Honoré, mon cher Honoré, tâchez de vous remémorer ce que Ninon a pu vous dire. C'était si simple de l'écrire. Mais je l'avais écrit. Je vois encore mon geste dans ma poche, je l'ai mis. Ah, zut. J'ai changé de messe. Oh, oh, moi, le premier mot, rien que le premier mot. Chapeau de premier mot, je l'avais, je l'atteste. Rien que le premier mot, je n'en demande pas trop. Si j'avais le premier mot, j'aurais dit tout le reste. Eh, hey, messieurs, sonneront quand ils auront fini. Que ce serviteur soit béni, ça commence pas, c'est fini. Comment? C'est fini, adieu mon amour, oublions ce beau jour où j'ai perdu la tête. C'est fini, voyez mon émoi, ayez pitié de moi, je veux rester honnête. C'est fini, mais non, mon ami, non, ce n'est pas fini. Rendez-moi mes crevettes. C'est fini, c'est fini, c'est
pas, vous, je le dis. Rendez-moi mon Chablis. Gérard, 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 c'est fini, c'est fini. Oh, ne me dites pas qu'il vous renoncera, nos baisers, nos caresses. C'est fini, c'est fini. Pourtant, c'est ici que le duc de Morny a invité ses maîtresses. C'est fini, c'est fini. Oh, laissez-moi partir, je vais m'attendrir, je connais ma faiblesse. C'est fini, c'est fini. C'est pas vous, je le dis, continuez mon ami. Gérard, 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 c'est fini. C'est fini, mais c'est fini maintenant. C'est fini. Ah non, ce n'est pas fini. Alors vous croyez que nous allons les trouver ensemble? Oui, en cabinet particulier, en tête à tête. En tête à tête, hein? Et à ce moment-là, vous ne me soupçonnerez plus d'être la maîtresse de Gérard. Oh non! Seulement je veux voir. Depuis qu'elle vous connaît, elle ne mange plus, elle ne dort plus, elle ne boit plus, elle se consume. Non, c'est vrai? Oui, et comme disait ma tante Caroline, fille en amour, chatte en folie, tout ça, ça fait pas du joli. J'espère qu'après ce que je viens de vous dire, vous ne m'en reparlerez plus. Plus jamais. Vous êtes découragé. Tout à fait. Tant mieux, parce qu'à la maison, c'est un véritable enfer. C'est... Qu'est-ce que vous écrivez là? Mon testament. Vous voulez vous périr? Ça arrangerait tout, ça. Alors on va vous rapporter des cadeaux. Les fleurs sont fanées, mais je vous rapporterai les paniers. Oh, inutile. Quant à la vague... Qu'est-ce que j'ai donc fait de la vague? Ah! La voilà. La voilà. Oh, elle... Elle n'en veut pas? Nous n'en voulons pas. Ne mangeons pas de ce pain-là. Ça aurait été un petit bijou plus simple. Mm-hmm. Avec une petite pierre. Non, peut-être. Sans petite pierre. Un petit anneau tout uni. Comment? Une alliance? Voilà. Oh, merci, mais très bien pour moi, vous êtes fou. Alors, au revoir, monsieur. Et merci pour les crevettes. Non, 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 non. Cher monsieur Honoré, j'ai une dernière faveur à vous demander. Pour celle-ci, vous ne pouvez pas me la refuser, écoutez. Voulez-vous offrir de ma part ces quelques fleurs à mademoiselle Ninon? Oui. Et étant donné les liens qui vous unissent, portez-lui mon dernier baiser. Oh! Et c'est pour me montrer ça que vous m'avez fait venir? Mais enfin... Ouais, excusez-moi si je vous ai dérangé. Comment? Chambre à coucher, le hall et le balcon exposé au midi. J'espère que ce petit hôtel plaira à votre client. Oui. Le prix ne l'a pas effrayé? Non, 1 300 000 francs. Ah non, 200. Non, 300. Il y a 100 000 francs de commission pour moi. C'est juste. Au mieux, avec M. Cardeval, le prix n'entre pas en ligne de compte. Ce qui importe, c'est que l'hôtel plaise à sa poule. Ah, il l'achète pour une petite femme, sa maîtresse. Même pas, elle ne l'est pas encore. Il lui achète un hôtel de ce prix-là? Oui, croyez-vous que c'est un type? Ça m'en a l'air. Elle est jolie. Plutôt, hein. En tout cas, il en est complètement toqué. Il agit avec elle comme un collégien. Figurez-vous qu'elle n'est pas libre, elle est même très surveillée. Alors, pour lui fixer des rendez-vous, mon client en est réduit à lui glisser des billets doux dans des bouquets qu'il lui fait porter par son chauffeur, qui est son père. Le père de qui? Le père de la petite. Mon Dieu, que c'est compliqué. Le père, la petite, les bouquets... Quoi, pas du moment qu'il s'y retrouve, lui. Ouais. Alors, attendu, demain matin, 11h... 14 rue Murillo. Ah, excusez-moi, je suis en retard. Mon cher ami, je vous présente M. Lepage, l'architecte de l'hôtel. M. Gérard Cardeval. Monsieur, je suis très heureux de vous connaître. Moi-même, monsieur. L'hôtel est tout à fait charmant, paraît-il. Eh bien, s'il plaît à Ninon, l'affaire est faite. Entrons. Entrons. Oh, tout cela est très bien. Ah, j'ai l'impression que ça plaira à Ninon, hein. Ah, oui, mais elle n'arrive toujours pas. Tranquillisez-vous, monsieur, elle viendra. Dites-moi, Carbonnier, les dispositions de l'hôtel se prêtent-elles à la fête que je veux donner ce soir? Parfaitement. Ah, bon, bravo, alors. Vous voulez donner une fête ce soir? Ah oui, monsieur, oui. Figurez-vous que Ninon a une envie folle de connaître Venise. Alors j'offre ce soir en son honneur une fête vénitienne. Mais où ça? Eh bien, ici, dans l'hôtel. Oh, mais les formalités. En somme, il est 11h du matin. Il faut que tout soit terminé avant ce soir. Vous êtes effarant. Mais non, monsieur, je suis moderne, tout simplement. Vous avez sur vous les titres de propriété? Non. Ah, mais je peux téléphoner chez moi à mon domestique d'apporter le dossier. Voilà, ça c'est une bonne idée. Pendant ce temps-là, nous visitons le premier, Carbonnier et moi. Vous venez, Carbonnier, hein? Pardon.
Mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Je viens te chercher, papa. Ah oui? Mais comment as-tu su où j'étais? C'est toi qui me l'as dit en sortant. Tu étais donc là? Oui, papa. Oh, c'est possible, moi. Après tout, je perds la tête. Une heure, je sais plus où j'en suis. Figure-toi que je suis sur le point de vendre l'hôtel à un loufoque. Non! Un garçon qui s'appelle Cardoval et qui l'acheterait pour l'offrir à une petite femme qui s'appelle Ninon et dont il est OK. C'est bien que tout dépend du oui ou du non de cette petite poule. Tout de même, c'est drôle la vie, hein? Ah oui! D'ailleurs, il a Monsieur Cardoval. Il visite. Alors, je me sens... Ah non, mais attends-moi un instant, voyons. J'ai un coup de téléphone à donner à Honoré. Oui, mais papa! Mais, attends-moi, ma petite fille. Je reviens tout de suite. Attends-moi. Ah, oh, mademoiselle Ninon, enfin. Gérard vous attend avec impatience. Monsieur Gérard. Ne l'appelez pas. Mademoiselle Ninon est arrivée. Oh, vous, ma petite Ninon. Oh, j'étais sûre que vous viendriez. Bonjour. Mais où allez-vous? Eh ben, je m'en vais. Comment, sans visiter l'hôtel? Eh ben, je reviendrai plus tard. Allô, voyons. Allô, mais oui, le dossier qui est sur ma table, c'est tout. Non. T'as compris? Mais c'est de l'hôtel, je veux bien, venez. Eh ben, d'abord ici. Non, ici, j'ai vu, montons. Mais non, écoutez, Ninon, voyons, mais attendons l'architecte. Attendez-le, moi, je veux pas le voir. Mais pourquoi? J'aime pas les architectes. Mais pourquoi? Pourquoi? J'aime pas les architectes parce que je n'aime pas. Voilà, montons. Eh bien, montez. Ah bon? Voilà, mon domestique est prévenu, il va porter le dossier. Vous cherchez quelque chose, monsieur? Non, quelqu'un. Vous n'avez vu personne ici? Non, je n'ai vu que Ninon. Ah, elle est enfin arrivée. Oui. Elle visite. Oui, elle visite, là. Allons la retrouver? Non. Elle préfère ne pas vous voir. Oui, figurez-vous que... Voilà de ses idées, vous savez. Elle n'aime pas les architectes. Mais pourquoi? C'est une corporation honorable. Ah, ça, si vous croyez que les raisons de Ninon sont des raisons, vous... Elle a un vieux, cher monsieur Lepage, oui. Et elle hésite entre lui et moi. Oh, c'est incroyable. Parce que je voudrais qu'elle accepte cet hôtel. Ben, et moi, donc. Voyez-vous, monsieur Carnaval, j'ai mis toutes mes économies dans cet immeuble. Je ne vous cache pas que je suis dans une situation un peu difficile. Ouais. La vente de cet hôtel me tirerait d'affaire. Ce serait la tranquillité, la fin de mes tracas, la dot de ma fille assurée. Ah, vous avez une fille? Oui, en effet, oui. Elle ne connaît pas mes embarras actuels, pour je ne lui ai pas raconté. À quoi bon faire de la peine à cet enfant? Oh, vous êtes un brave homme, monsieur. Ça, c'est bien. Voilà, mademoiselle Ninon a visité. Elle demande si l'architecte est encore là. Eh ben oui, je suis là. Ah, elle ne veut descendre que lorsque vous serez parti. Voilà une idée. Oui. Ah oui, les architectes. Oui, excusez-la, monsieur, n'est-ce pas? L'essentiel, c'est qu'elle dise oui. Ben voilà, ce que dit oui. Je reviendrai dans une demi-heure. C'est ça, au revoir, monsieur. Mais qu'est-ce que les architectes ont bien pu lui faire? Ah, ça alors, je me le demande. Mademoiselle Ninon? Oui? Vous pouvez venir. Ah. Il est parti? Oui. Alors, ma petite Ninon, comment trouvez-vous cet hôtel? Qu'en pensez-vous? Rien. Comment rien? Oh, écoutez, bien, c'est pour vous que je l'achète. Oh. Oh, écoutez, ma petite Ninon, je vous en supplie. Mais dites-moi oui, ça me fera tant de plaisir. Hein? Et à Carbonnier aussi pour sa petite commission. Oh. Et à ce brave homme d'architecte qui en tremble d'émotion. L'architecte? Mais pourquoi est-il si ému? Ah, le pauvre homme, il a mis toutes ses économies dans cet hôtel. Et s'il ne le vend pas, il se trouve dans une situation très difficile. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Ah, ça, c'est sûr et certain. Il ne l'a confié à personne, pas même à sa fille, pour ne pas lui faire de la peine. Alors vous pensez... Oui, il... Alors, je ne sais vraiment pas pourquoi je vous raconte ça. Vous n'aimez pas les architectes, alors? Comment je n'aime pas les architectes? Me prenez-vous pour une sans-cœur? Il faut rendre service à ce pauvre homme. Oh, bah, écoutez, je veux bien, moi je ne sais pas. Attention, monsieur Cardoval, c'est le père de Ninon. Papa! Comment? Honoré, le chauffeur, mais qu'est-ce qu'il veut? Comment? Encore ensemble, après ce que vous m'avez juré? Sortez, monsieur, sortez! Sortez, sortez! Ah, bah, monsieur, mais tout je vous en prie, Gérard, laissez-moi seul avec Honoré. Soit. Vous venez, Carbonnier? Tout de même, elle exagère. Eh, mon cher, c'est son père. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Et toi? Moi, je rapporte la chemise à ton père. Viens ici, il fait plus chaud. Écoute, Honoré, réponds-moi franchement sans rien me cacher. Est-ce vrai que papa est dans une situation difficile? C'est pas brillant. Et est-il exact que s'il vendait cet hôtel, ça le sortirait d'embarras? Il me l'a souvent répété. Eh bien, il a un acheteur. Oh, chouette! Monsieur Cardoval. Oh! Et Monsieur Cardoval l'achète pour me le donner. Dis donc, mais je pense que tu vas pas devenir une éther. Une quoi? Une éther, c'est un mot que j'ai vu dans le journal. Une étaillie? Une étagère, si tu veux. Et alors? Tu penses à ton père? Naturellement, je pense à papa.
Si l'hôtel était vendu, papa serait tiré d'affaire. Oh, mais tu crois que je vois pas clair? Tu n'as que se galoper dans la tête et puis voilà tout. C'est vrai, j'en suis folle. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, ton carnaval. Honoré. N'oublie pas que t'es jeune fille. Bah, une jeune fille a des sens, Honoré. Ah bon, je te retiens. Parbleu, à ton âge, c'est pas malin. Au mien, c'est plus dur. Oh, tu n'en entends tout de même. Comme disait ma sœur Zoé, la femme, la chèvre et la génisse, c'est des bestures tout plein de malice. Mon pauvre Honoré. Alors dis, Honoré, si je devenais une éther, comme tu dis, est-ce que tu me quitterais? Ah, pour sûr. C'est sûr. Je pleurais pas, ça, amour. Je te gronde comme ça, mais je t'aime bien, tu sais, j'aurais trop de chagrin. Puis qu'est-ce que tu veux? Je suis vieux, ton père n'a plus besoin de moi. Oh, tandis que moi. Alors je te suivrai si tu avais des bébés, c'est moi qui les élèverai. Oh, merci, Honoré. Alors, c'est terminé? Votre réponse, ma petite Ninon. Gérard! Pardon. Vous nous proposez de nous entretenir. Cette proposition nous honore. Mais nous voulons savoir si ce n'est pas un caprice, un béguin. Oh, un béguin. Mais y pensez-vous? Mais Ninon est la femme de ma vie. Alors, nous nous donnons. Oh, enfin, c'est oui! Oui, oui! Oh, ma petite Ninon. Tenez. Tenez-vous aussi, Honoré. Un blague, ça recommence. Oh, est-ce que nous allons être heureux? Tous les deux. Tous les deux. Oh, tous les trois. N'oublions pas Honoré. Bien entendu, je vous laisse liquider votre passé. Votre heure sera la mienne, ça. La nôtre, c'est délicat. Oh, c'est gentil. Je ne vous demande qu'une seule chose, c'est de venir ici ce soir. Ici? Pourquoi faire? Mais parce que je donne une fête vénitienne en votre honneur. J'ai choisi votre costume, vous verrez, il est ravissant. Attendez, je viendrai. Nous viendrons. Oh, évidemment, n'oublions pas Honoré. Ah, maintenant, il faut que je parle à l'architecte. Hein. L'architecte, c'est vrai. Tu viens, Honoré. À ce soir, Gérard. À ce soir, Ninon. À ce soir, Gérard. Oh, Honoré, c'est le plus beau jour de ma vie. Vous n'allez pas encore m'embrasser. Tiens. Passons par la porte de derrière pour ne pas rencontrer ton papa. Oh ben tout cela est très bien, n'est-ce Parfait. Pas Parfait. Mais où est l'architecte? Alors, la réponse de Mademoiselle Ninon. Mademoiselle Ninon a répondu oui, cher monsieur. Oh, que je suis content. Ça va pas tant que moi. Je donne une grande fête ce soir et je vous invite, vous et votre fille. Oh, je ne sais pas si la place d'une jeune fille. Me masquer, monsieur, personne ne pourra la reconnaître. D'ailleurs, c'est ce soir, pendant la fête, que j'entends signer l'acte d'achat de l'hôtel, alors. Mais maître Tivolier ne pourra pas venir, voyons. Il a 82 ans. Eh bien, monsieur a amené son premier clerc. Vous êtes effarant. Mais non, monsieur, je suis moderne, tout simplement. Alors, je compte sur vous, absolument, et votre fille? Soit, nous viendrons. À ce soir, monsieur. À ce soir. Oh. Philippe ou Carbonnier, vous avez juste le temps, hein? Tout sera prêt, fiez-vous à Carbonnier. Alors. Alors, dis, tu te chargeras d'annoncer la nouvelle à papa? Jamais de la vie, il me tuerait. Dis-lui, toi. Oh non, moi, je n'oserais jamais. Alors, écrivons-lui. Bon, mets-toi là. Je vais te dicter. Pas vite, hein. Doucement, hein. Bon. Vas-y. Je ne sais comment commencer papa ma lettre. Je suis très, très embarrassée. Il y a deux fois l'être. J'aime un jeune homme charmant. Et tu vois, papa, je suis très mange. Il va être mon amant. Il est pressé, très, très pressé. Un bon dimanche, ne fais pas papa tes gros yeux. Pardonne-moi d'aimer, car je l'aime, et je suis sûre qu'il m'aime. Oui, l'on s'aime, autant qu'on peut s'aimer. Songe dans quel dilemme, je me vois enfermée. Pour que toujours tu m'aimes, dois-je ne plus l'aimer? Si tu m'aimes, et je sais que tu m'aimes. Encore, c'est trop court, ça. Si, va, vas-y. J'entends déjà ce que diront.
Venise. Elle adore celle-là. Il peut des braves gens me désirent et je m'en fiche. Si je suis pauvre d'argent, en doux baiser, en long baiser, je suis très riche. Sois indulgent, petit papa, ne me maudis pas. Si tu m'aimes, et je sais que tu m'aimes, si tu m'aimes, pardonne-moi d'aimer, car je t'aime, et je suis sûr qu'il m'aime. Oui, l'on t'aime autant qu'on peut t'aimer. Songe donc qu'un dilemme, je me vois enfermé. Pour que toujours tu m'aimes, dois-je ne plus l'aimer? Si tu m'aimes, et je sais que tu m'aimes, si tu m'aimes, ah, laisse-moi l'aimer. Tiens, signe-la. Ma fille, ça y est. Peux-tu lui donner la lettre? Plus tard, attends. L'hôtel est vendu. La poule a dit oui. La poule a dit oui. Et ce n'est pas tout. Nous sommes invités ce soir par M. Cardoval. Il donne une fête vénitienne. Je lui ai promis que nous irions. Papa, c'est impossible. Mais je te demande pardon. Tu m'accompagneras. Tu penses à un client comme lui. Je ne veux pas le mécontenter. Et puis qu'est-ce que tu risques? Tu seras masqué. Ah. Allons. Allons, dis-moi que ça te fera plaisir. Oh, oui, papa. Patron, j'ai quelque chose à vous demander. Ben, allez-y. La permission de la nuit pour ce soir. Ah, vous tombez mal. Nous avons un bal. Moi aussi. Un bal de gens de maison? De grandes maisons. Eh bien, soit. Accordé. Aujourd'hui, je veux que tout le monde soit heureux. Entre nous, je voudrais bien voir comment ce garçon va s'y prendre pour transformer mon hôtel en quelques heures. Moi, j'avoue que ça me paraît impossible. Impossible? Impossible, c'est pas français. Et on le prouve. Écoute-toi, Tobor. Oui, ça va, allez. J'apporte la colle, ok? Tiens, Tobor. Qu'est-ce qu'il y a comme boulot aujourd'hui? Prépare, c'est samedi la fête. C'est très bien, tout est prêt, oui. La lagune, les gondoles, le pont des soupirs. Bon. Alors dépêchez-vous, n'est-ce pas? Il est 10h moins une et j'ai promis que tout serait prêt à 10h tapant. Tapant. Êtes-vous convaincu à présent que ce n'est pas à moi qu'il fait la cour? Oh non, pas encore.
Et d'abord, où est-il, ce fameux Ninon? Mais attendez, elle viendra! Oh, pas plus qu'au restaurant! Stop! Voilà une rose! Oh, une très jolie rose! Et vous êtes aussi jolie qu'elle! Je vous en prie, monsieur Dumoulin! Allez! Oh, c'est... ma petite andouille! Oui? Et qu'est-ce que vous faites ici? Je suis au service de monsieur Carnaval! Monsieur Landier, premier clerc de maître Tivolier. Laissez-le, mes amis, je vous en prie, laissez-le. Ah, monsieur Carbonnier. Oui, alors vous apportez les pièces à signer? Oui, elles sont là. Figurez-vous, on m'a obligé à me déguiser en vénitien. Franchement, ne le regrettez pas, vous avez une jolie femme, vous allez vous distraire. Ah. Oh, elles sont charmantes. Non, mais tout à l'heure, je vais d'abord vous conduire à monsieur Carnaval, suivez-moi. Monseigneur, le doge de Venise. C'est comme tu dirais, le roi de la République. Oh. Mais en quoi c'est que vous êtes costumé, vous? En courtisane de France. Arrière, courtisane. Merci. J'avais dégué, je prends un costume connu. Ce qui fait que dans Venise, je ne suis pas le premier venu. Qu'on se le dise, qu'on se le dise, je suis le plus beau des doges de Venise. Qu'on se le dise, qu'on se le dise, je suis un des doges du Nino. Toutes les femmes soupirent, quel beau blanc qu'il est bien. Je suis, j'ose le dire, le beau blanc vénitien. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Toutes les femmes de Venise paraissent sont très jolies. Elles font faire des bêtises. Je suis ravi au lit. Moi, j'avais encore une strophe qui n'était pas mal, mais j'ai une lagune dans ce pays, c'est normal. J'ai besoin de m'étourdir. Pourquoi? Oh, et voilà. Oh, ce garçon est prodigieux. Je ne reconnais plus mon hôtel. Ne restons pas longtemps, dit papa. Sois tranquille. Sitôt l'acte de vente signé, nous partirons.
Honoré. Pardon, monsieur. Vous ne pourriez pas me dire où est monsieur Carvanval? C'est ma bête. Le doge n'est pas bavard. Il signor Casanova. Casanova a demandé par lettre express aux amis qu'il a de bien vouloir se tromper là. C'est afin de leur présenter sa future maîtresse qui fixera l'heure à laquelle sonnera son bonheur dans ce petit hôtel qui devient sa maison. Me pardonnera-t-elle de dévoiler son nom? Nino, elle s'appelle Nino. C'est pour Nino que cet hôtel se donne. Nino, est-il sur terre un nom qui soit plus doux et plus charmant que Nino? Elle a 20 ans et dans ses yeux, même au printemps, le ciel n'est pas plus bleu. Nino, elle s'appelle Nino. Je l'ai connue un soir de réveillon. Bonjour mes amis, bonjour. Et merci à tous d'être venus. Et maintenant, mes amis, retirez tous vos masques. Bonsoir. Ah, oh, monsieur le Paz, vous avez tenu votre promesse d'être venu. Eh bien, je tiens la mienne, et dans quelques minutes, nous allons signer. Ah. Mademoiselle, votre fille. Oui. Monsieur Gérard Cardoval. Ma petite Monique. Mademoiselle, je suis ravi de vous connaître. Et vous n'allez pas garder votre masque, j'espère. Excusez-la, elle est très timide. Ah. Mais mademoiselle Ninon n'est pas encore arrivée. Mais non, cher monsieur, c'est même étonnant. Elle devrait être là, vous savez. Je suis d'une inquiétude, comme vous l'aimez. Ah, mais monsieur, c'est un être exquis. Dis donc, papa, tout s'en va, je me sens pas bien. Que dit mademoiselle votre fille? Elle dit qu'elle est un peu fatiguée. Oh. Excusez-la. Je n'insiste pas, monsieur. Carbonnier, bonjour. Qui est? Oh, c'est Viviante, une jeune fille. Ah. Mademoiselle de l'architecte. Bonjour, cher ami. Tu aurais pu lui dire un mot. Il me déplaît. On s'en va, dit papa. Mais non. Je ne veux pas partir sans avoir vu cette fameuse Ninon pour qui il achète mon hôtel. Ah, tu veux la connaître? Eh bien, regarde, la voilà. Tu vois là-haut, regarde. Oui. La dame à qui M. Cardoval baise la main. Eh bien, comment trouvez-vous le trophée? Ravissante. Ah, merci. Il me semble que je connais cette figure-là. Mais oui, tu la connais. C'est mon ancienne amie de pension, tu sais. Celle qui se fait taper, Viviane. Celle qui a mal tourné? Oui. Je comprends maintenant pourquoi elle préfère ne pas me rencontrer. Justement. Monsieur Lepage, mademoiselle, l'acte de vente est prêt. Il ne manque plus que votre signature. Bien, je vous suis. Attends-moi un instant. Mais papa... Mais attends-moi. Par ici. Monique. Monique, ton Gérard est fou. Elle a pensé que sa Ninon n'est pas encore arrivée. Je ne veux pas arriver avant papa soit parti. Il est encore là. Tu me reconnais? C'est moi, Honoré. Mais oui. Eh bien, monte une seconde. Et puis j'irai te prévenir que ton père sera parti. Tu as remis la lettre à papa? Pas encore. Il était temps de la lui donner. Oh, je ne sais rien te refuser, j'ai une faiblesse. Là. Oh, merci, Honoré, tu me sauves. Moi, je me perds. Ah, Honoré. Eh bien, voyons, Honoré, oui, Ninon, elle devrait être là. Elle est là, sans être là. Comment expliquez-vous, Honoré, soyez clair. Elle ne peut pas faire son entrée avant que certaines personnes soient parties. Mais qui ça? L'architecte. Ah, l'architecte, oui, j'ai compris. Je me charge de lui et sa fille. Sa fille a déjà filé. Ben, ne le regrettons pas, une péronnelle. Alors voilà, c'est fait. Et rapidement fait, vous pouvez le dire. Oh, ah, oui, c'est... Eh bien, cher monsieur Lepage, vous nous quittez déjà? Oui, l'acte de vente est signé, je me retire. Je ne veux pas que ma présence jette un nuage sur une fête si réussie. Mais que voulez-vous dire, cher monsieur? Je sais maintenant pourquoi mademoiselle Ninon n'aime pas les architectes. Eh bien, vous en savez plus long que moi. Dites-moi, je ne vois plus ma fille. Mais elle est partie. Elle est partie, comment sans me prévenir? Mais oui, je vous accompagne, très cher monsieur, vous permettez. C'est pour la peine, ne vous dérangez pas. Au revoir, monsieur Lepage. Au revoir, monsieur. Mais vous partez? Oui, je pars. Au revoir, monsieur Lepage. À bientôt. À bientôt.
vite. Je vous tiens, vos masques. Vous êtes seul. Vous cherchez un cavalier, sans doute. Si vous voulez me permettre, je suis libre. Et généreux. Moi, quand une femme me plaît, je peux rien lui refuser. Auto, toilette, bijoux. Mais je vous en prie, soyez gentil. Retirez votre masque. Donc, écoute, je vous en supplie. Mademoiselle Monique? Oui, monsieur Landier. Et convenez que celle qui épouserait un coco comme vous serait une fameuse gourde. À une petite poule, on demande ce qu'elle désire. À une jeune fille, ce qu'elle apporte. Au plaisir de ne plus pouvoir. Nino! Oh, oui, Nino! Nino, monsieur, vous connaissez Nino? Non, pas du tout! Non! Oh, monsieur, vous connaissez Nino? Mademoiselle Nino? Yes. Oui? Ah, vous voulez la voir? Oh, yes. Tenez, vous voyez? Où? Cette dame là-bas, là. Là-bas? Oui. Oh! Eh bien, c'est elle. Sûr? Oh, certain. Oh! C'est une ancienne amie de ma fille. Alors... Oh! Ah! Je sais tout maintenant. Je plaque. Goodbye. Oh, vous, quand vous avez une idée dans la tête! Ninon est presque prête. Je vais la chercher. Oh, enfin ma petite Ninon, mais pourquoi avoir tant tardé? Oh, mais est-ce que vous êtes belle dans votre robe? Alors, vous m'aimez vraiment? Mais je vous adore, ma petite Ninon. Et vous, vous avez confiance en moi? Un peu. Vous êtes heureuse? Beaucoup. Et cet hôtel vous plaît? À la folie. Mais alors vous m'aimez? Passionnément. Et vous n'avez pas de regrets? Pas du tout. Oh, enfin, ma petite Ninon. Tenez, venez, je vais vous faire voir votre chambre. Tenez. Oh! Comment, mais... Elle ne vous plaît pas? Mais si! Oh! Alors, Ninon. Allons trouver les autres! Comment? Oh, par exemple! Mes chers amis, je vous présente Ninon! L'architecte l'a lu la lettre. Comment c'était toi, petite malheureuse? Écoute-moi, je vais t'expliquer. Oh, tu vas m'expliquer quoi? Comment, mais vous tutoyez? Parbleu. Oh, mais à présent, je comprends tout. Oh, votre vieux, c'était lui. Son vieux? Bon, monsieur, mais vous n'avez pas honte? Honte de quoi? Et regardez-vous et regardez-là, mais vous pourriez être son père. Je suis son père. Mais c'est papa. Comment vous êtes et elle est... Mais voyons tout à l'heure, la jeune fille aux révérences. Mais c'était moi. C'est Ninon. Mais vous, qu'est-ce que vous faites dans tout ça, vous, le doge? Moi, je suis son bon chien fidèle, son boule doge. Ah, vous? Vous avez perdu ma confiance. Si j'avais perdu sa mère, regardez-les, monsieur Lepage. On ne peut pas lutter contre le sexe, ça pèle. Quoi? Et comme disait mon frère Delay, si tu manges des haricots le lundi... Ah non, assez. Pas de proverbe. Écoute, papa. Comment? Tu veux devenir sa maîtresse? Mais papa, je l'aime. Oh, c'est bien simple, je ne trouve pas le mot. Mais moi, je le trouve, c'est moderne. À vous, je vous conseille de vous taire. Monsieur Lepage, j'ai l'honneur de l'honneur. Vous... L'honneur? Savez-vous seulement ce que c'est? Mais certainement, monsieur, je sais ce que c'est. J'ai l'honneur de vous demander... Taisez-vous. Mais laissez parler, papa. Il a peut-être un proverbe à caser. Vous êtes satisfait maintenant? Oh non, pas encore. Monsieur Lepage, écoutez-moi. Laissez-moi parler à la fin, voyons. Eh bien, parlez, monsieur. Parlez, puisque vous y tenez. Eh bien, cher monsieur Lepage, j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle, votre fille. La main gauche, sans doute. Ah non, celle-là, je l'ai déjà. La droite. Mais Gérard... Alors, vous répéteriez votre demande devant tous vos amis? Mais certainement, monsieur. Eh bien, vous voyez,
faire. J'ai l'honneur, cher monsieur, de vous demander sa main. J'ai gagné mon pari, je bénis votre image. Moi, je répare aussi en vous donnant mon nom. Richard Nathaniel Archib. Non, madame Bob, c'est moi, non. Oh, vous, j'aime de ma main. Et Monique et Nino. Ce garçon est bigame. Bigame à ma façon. Quand...